Rejet de la motion de défiance contre le ministre des Pétantiques en rapport avec la taxe sur le rhum. L'Assemblée nationale estime qu'elle est inopportune. Combattre la contrefaçon des produits pharmaceutiques en RDC, sujet au cœur d'une séance de travail entre le ministère de la Santé et le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Signature de cet accord de partenariat entre les Émirats arabes unis et la RDC, plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'énergie renouvelable, l'habitat et des exemptions douanières. Le pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 a servi de cadre. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et quelques membres du gouvernement. Reportage Jean-René Lobo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021, qui est pour la signature des protocoles d'entente entre les États démocratiques du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émiratie avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC-Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Masdar et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données. Et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État, et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et des Émirats arabes, ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats Arabes Unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République. Et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont $1 milliard disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes, ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser.
Il s'est de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse, le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Comme vous le constatez, le président de la République a pris une part active à l'Expo Dubaï 2020 au forum Global Business for Africa, l'un des événements majeurs. Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué les opportunités qu'offre la RDC pour le développement de l'Afrique. Jean-René Lobo. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a interagi sur les opportunités d'affaires avec Madame Rouhim Al-Hashimi, ministre d'État émirati en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2 345 000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après l'Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares dans la de terres arables, dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix-Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides, imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte, des différences de degré et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous apprécions les nouvelles formes de partenariat que ces regroupements impliquent. À travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et le transfert de technologies. Le président de la République, qui se faisait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement où des entreprises et PME congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la fondation des Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures.
Dossier RAM, la plénière de l'Assemblée nationale a rejeté la motion de défiance contre le ministre des Pétantiques. Elle juge la motion inopportune. Toutefois, Augustin Kibasa Maliba affirme avoir déjà saisi le gouvernement pour des solutions idoines. Reportage Sylvie Moembo, Bernard Bodo. Après 2 semaines de report, le ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication était mercredi face à la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la question du registre des appareils mobiles RAM qui défrait la chronique. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, Augustin Kibasa Maliba a d'entrée de jeu présenté ses excuses aux élus nationaux pour des propos jugés inappropriés par eux. Au regard du souci permanent qui guide l'action du gouvernement de la République en faveur du social de la population, la question du RAM sera à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres afin que l'option soit levée sur l'avenir du RAM. La motion de défiance déposée par l'opposition a été purement rejetée par l'Assemblée plénière. Non satisfait par les réponses du ministre de Pétantique et en l'absence des députés nationaux du Front commun pour le Congo dans la salle des congrès, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Claude Missaré, a jugé bon d'attendre les conclusions du Conseil des ministres pour clore avec cette affaire des rames qui étrangle la population congolaise. Appelé lui aussi au cours de la même plénière, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselot, a éclairé les députés nationaux sur la question orale avec débat lui adressée par le député national Emery Okundji sur la situation d'insécurité qui prévaut dans la province du Sankoro. Après explication du patron de la territoriale, la représentation nationale a dispensé le ministre en charge de l'Intérieur en attendant que la justice se prononce sur cette affaire. Réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone par visioconférence. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, y a pris part. Le bouleversement institutionnel dans certains pays africains était évoqué. Fifi Bokeme. Des coins éloignés de la planète, reliés par visioconférence à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone qui devrait en principe se tenir en Polynésie. La RDC a été présente à ces grands rendez-vous du monde parlementaire francophone à travers le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound. Dans son discours inaugural, le vice-président de l'Assemblée nationale du Canada, qui occupe la présidence tournante, Francis Drouin, a peint les tableaux de la situation des parlements de cet espace linguistique, principalement en Afrique, où s'observent avec inquiétude des bouleversements institutionnels. Les cas de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Tunisie et du Tchad. Ce dernier a également salué l'entrée au bureau de l'honorable Mboso Christophe, représenté par l'honorable Kabound. La lutte contre le Covid-19, les changements climatiques, le terrorisme dans le Sahel et ailleurs, des sujets qui ont alimenté les discussions des participants. Autre sujet évoqué, c'est la situation en République centrafricaine, au Liban et en Arménie. Les Kimbanguistes ont célébré le 12 octobre la naissance de son chef spirituel et la mort de Simon Kimbangu, le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre et d'autres personnalités ont célébré l'événement ensemble avec l'église Kimbanguiste à Kamba. Témoin de l'événement, Patty Tondango, bienvenue Lusala. La cité d'Nkamba, dans le district du Cataract au Congo central, en ébullition le mardi 12 octobre 2021, date anniversaire des 70 ans, des naissances du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, mais également de la mort du fondateur de cette église, Simon Kimbangu. Le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kingi a fait les déplacements de Kamba, Nouvelle-Jérusalem kimbanguiste, pour prendre part à cette double commémoration. C'est autour de 11h que le chef du gouvernement a atterri à l'aérodrome Simon Kimbangu. Au pied de l'avion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselot Okito, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et le gouverneur intérimaire de cette province pour un accueil. On pouvait lire la joie des fidèles kimbanguistes venus nombreux saluer la venue du premier ministre dans leur cité sainte, une première depuis 1960.
Juste après, le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers les grands temples kimbanguistes. Jean-Michel Samalukonde Kenge a bravé la poussière sur 12 km de la route qui conduit de l'aérodrome vers les grands temples en terre battue, marqua ainsi sa volonté, sa détermination de participer à tout prix à ce double anniversaire. Au nord de la police, fanfare kimbanguiste était au rendez-vous pour accueillir les premiers ministres, représentants personnels du chef de l'État à ses festivités. Après que sa délégation ait présenté ses civilités, le chef du gouvernement a eu un tête-à-tête à huis clos avec les représentants légaux en l'honneur. Et c'est là, avant de prendre part au culte d'action des grâces organisé pour la circonstance. Cet instant a été aussi rehaussé de la présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, qui a promis à la grande communauté kimbanguiste l'accompagnement des institutions pour la réussite de sa mission. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a promis le lancement dans les tout prochains jours des travaux de développement à la base des entités territoriales du Congo central. En ce jour spécial, à l'image de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, et ça l'a été dit plus tôt, est très attaché à la communauté kimbanguiste. Attachement que vous lui rendez, bien comme le démontrent les travaux de construction de la résidence présidentielle en cours ici à Kamba. Et soyez certains que le gouvernement veillera à son parachèvement. Le chef spirituel kimbanguiste s'est dit honoré de la présence de cette forte délégation et a tenu à apporter une précision à l'assistance que son église est et demeurera politique. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se tient à Addis Abeba en Éthiopie. 54 pays représentés vont échanger sur le bon fonctionnement de l'organisation. De notre envoyé spécial Doris Mozo. Éthiopie, capitale de l'Afrique, siège de l'Union africaine, accueille la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. 54 ministres des Affaires étrangères des pays membres se retrouvent pour ensemble discuter sur des questions liées essentiellement au bon fonctionnement de cette organisation panafricaine. La République démocratique du Congo, qui dirige l'actuel mandat à la tête de l'Union africaine, va également présider cette réunion des ministres. Christophe Lutundula-Pala, chef de la diplomatie congolaise et président du comité exécutif de l'organisation, va conduire les débats. L'agenda du président du conseil exécutif de l'Union africaine prévoit, dès son arrivée, la rencontre avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, séance de travail technique conjointe avec l'équipe restreinte des ambassadeurs et de l'équipe technique du secrétariat de l'Union africaine et un dîner avec le ministre des Affaires étrangères présent à Addis Abeba. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour de cette rencontre demain ici au siège de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la santé avec le Covid-19, l'élection de deux commissaires de l'Union africaine, mais également le sujet lié au bon fonctionnement de cette organisation de l'Union africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui conduira le débat, est arrivé depuis ce matin dans cette belle ville, la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Depuis Éthiopie, Addis Abeba, Henri Amouri, Doris Mozo pour le compte de la RTNC. La gestion des ressources en eau oppose les communautés et les États, et ce sujet était au centre d'une conférence scientifique tenue à Kinshasa. Françoise Bouélaboki. Selon les experts, le bassin du Congo est constitué à 98% des eaux de la RDC. La gestion de ressources en eau oppose les communautés et les États. L'eau devient une question de souveraineté. Il y a les cadres institutionnels, les cadres réglementaires pour la gestion des ressources en eau. Alors ce sont des problèmes pour lesquels nous sommes réunis en ce moment. Cette conférence scientifique organisée par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine vient réveiller la conscience des élites nationales. Elle va faire l'examen des aspects juridiques et institutionnels, précise le professeur Alphonse Toumba-Louaba. Une gestion efficace et efficiente implique entre autres la prise en compte adéquate
des problématiques liées au changement climatique, à la gouvernance unique du bassin du Congo, à la navigation, à l'hydroélectricité. L'accès à l'eau est deux fois plus élevé dans les villes que dans les villages. Il se pose un problème d'équité, reconnaît le ministre de la Recherche scientifique. José Mpanda n'a pas laissé sur la route l'aspect lié à la qualité de l'eau. La RDC, notre pays, devrait se concentrer davantage sur les opportunités qu'offrent les eaux du bassin du Congo et d'en faire un enjeu de sécurité nationale, et c'est en créant une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a hérité de plusieurs dossiers conflictuels, dont les différends entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, relatifs au grand barrage de la Renaissance. La sino-congolaise d'exploitation Sicodex est venue présenter au ministre de la Défense nationale les innovations dans la production des explosifs en RDC. C'est le délégué du directeur général de l'Africaine d'explosifs Afridex qui a conduit la dite délégation. Les explosifs de type civil sont utiles dans les mines et la construction. Ces deux sociétés sont basées à Kolwezi et à Likasi. Africaine d'explosifs, Afridex est un service rattaché au ministère de la Défense nationale. Il est chargé non seulement de la gestion exclusive de tous les mouvements des explosifs, mais aussi de l'exclusivité. C'est dans ce cadre qu'un partenariat gagnant-gagnant a été signé entre la RDC et la société chinoise Norinco pour créer la sino-congolaise d'exploitation Sicodex, dont le ministre de la Défense nationale détient la responsabilité des tutelles. Quoi de plus normal que ces rapports de service soient adressés au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a reçu le représentant de la Sicodex, conduit par le représentant du directeur général d'Afridex, Liévin Gondji Talouata. Nous avons accompagné nos partenaires pour qu'ils viennent faire rapport à son Excellence du travail d'innovation qu'ils sont en train de faire avec la construction d'une usine à Likasi, de production d'explosifs civils, d'une autre usine à Kolwezi, et le travail qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'apport de la technologie pour la formation des Congolais, afin que nous-mêmes, nous puissions avoir la capacité de faire, de produire les explosifs et de ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Le chef de l'appareil des défenses, Gilbert Kabanda, a encouragé ce partenariat qui, selon lui, permet de tirer parti des nouvelles technologies dans la fabrication et la production à grande échelle d'explosifs civils et leurs accessoires. Visite du secrétariat général des petites et moyennes entreprises et l'OPEC, le ministre d'État Eustache Mohandi a sur place échangé avec le personnel de ces différents services. Mireille Ndeke. Cette première visite était une occasion propice pour les patrons de PME de palper du doigt les difficultés rencontrées par le personnel. Le secrétariat général, qui regorge en son sein 9 directions, connaît un problème majeur, celui de l'exiguïté des locaux. À cela s'ajoute la promotion et l'affectation des agents, la prime permanente ainsi que le transport du personnel. Par la même occasion, le secrétaire général Joseph Lunanga Boussanya, au nom de tout le personnel, a reconnu les avancées significatives enregistrées jusque-là par le ministre d'État depuis son avènement à la tête de ce ministère. Après le secrétariat général, le cortège du ministre d'État s'est ébranlé vers l'OPEC, devenu désormais ANADEC pour la même cause. Maître Eustache Mouranzi Mumbembe a visité les différents bureaux de l'ANADEC, bras séculier du ministère de l'Entrepreneuriat, sous le guide de son DG Ezekiel Bidoya. Comme partout où il est passé, les agents n'ont pas manqué de présenter leurs doléances. Je trouvais un personnel très enthousiaste, très assidu au travail, bien que les conditions de travail soient difficiles. Mais je reste optimiste quant à penser que les responsables de ces services travaillent d'arrache-pied pour améliorer, avec l'accompagnement du gouvernement, pour améliorer les conditions de travail. Au nom du gouvernement de la République, Maître Eustache Mouranzi Mumbembe a réitéré son engagement à faire de PME congolaise l'un des vecteurs de richesse par excellence en République démocratique du Congo.
Le Parlement congolais tient à la promotion de droits de l'homme en RDC. Les députés nationaux et sénateurs membres des commissions de droits de l'homme ont participé à la session d'orientation sur la mise en œuvre de recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel. D'autres précisions dans ce reportage de Guilhem Kunga. Sur 261 recommandations proposées par les États pairs de la RDC, après la révision de la situation de droit de l'homme, 239 ont été validées. C'est pour procéder à l'évaluation que les parlementaires membres de la Commission de droits de l'homme ont participé à cette session pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, troisième cycle du Conseil de droits de l'homme de l'ONU. Il ressort de cette session quelques propositions pour faire avancer les droits humains en RDC, avec entre autres la ratification des instruments légaux relatifs aux droits humains, la révision et l'adoption d'une législation nationale devant respecter les droits humains et les principes d'égalité entre les sexes, ainsi que beaucoup d'autres. Malgré que les avancées soient significatives, les difficultés à remonter sont encore énormes. Nous avons vraiment comme défi majeur cette question de la guerre qui ne s'arrête pas, avec tout ce qu'il y a comme violation des droits liés à ça. Mais nous avons aussi des problèmes par rapport aux moyens financiers, parce que beaucoup de violations se font aussi par le fait que l'État n'arrive pas à atteindre beaucoup de parties des pays. La meilleure façon d'atteindre l'objectif est certes celle de sensibiliser les parties prenantes. Là, les médias en fait jouent un rôle très important justement pour assurer cet accès à l'information, sensibiliser sur ces recommandations qui favorisent la transparence et la reddition des comptes. Cette session parlementaire a été organisée par l'UPR Info en partenariat avec le Centre Carter, la Commission parlementaire de droits de l'homme et la Commission nationale de droits humains. L'ingérence de certaines institutions dans l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie ainsi que la problématique des médicaments contrefaits étaient au cœur des échanges entre la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kilumba, et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Reportage Jojo Ndibou. La problématique de médicaments contrefaits en circulation et l'inégalité dans la procédure d'autorisation d'ouverture d'officines pharmaceutiques en RDC était au centre d'une séance de travail qui a placé la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène, Madame Véronique Kilumbankulu, en face de la nouvelle équipe du Conseil national de l'Ordre de pharmaciens de la RDC, SNOP. C'est sous la conduite de son président Glory Pandzou que ce nouveau conseil de pharmaciens a présenté ses civilités avant d'expliquer à l'autorité des tutelles la mission assignée au conseil de pharmaciens, celle de défendre l'honneur de la profession de pharmacien en RDC. Ce que vous pouvez attendre de vous, c'est la mission que l'État congolais nous a confiée, celle de défendre l'honneur de la profession de pharmacien et de permettre aux pharmaciens congolais d'exercer leur profession en toute indépendance. Il y a des actions que nous allons mener pour pouvoir aider notre ministère qui est celui de la santé à atteindre son objectif de garantir la santé de la population par des mesures ou des décisions qui seront prises incessamment. La corporation a également profité de cette opportunité pour présenter ses doléances à la vice-ministre de la Santé en rapport avec l'ingérence décriée du ministère de l'Intérieur, des gouverneurs des provinces, des administrateurs du territoire et des bourgmestres dans la gestion de ce secteur. Les journalistes du réseau des communicateurs pour le développement durable viennent de séjourner dans le Congo central. Au cours de leur visite, ils ont été informés du fonctionnement d'alerte précoce dans l'océan à l'étape de la Congolaise de voie maritime à Banana. Ils ont aussi appris comment l'on gère ce système, quels sont les résultats probants attendus et les difficultés rencontrées à ce jour dans la gestion de cet outil. Reportage Mamita Bangoulou. La prévention des catastrophes en mer constitue une préoccupation majeure des décideurs de la ville côtière de Moanda.
Pour preuve, un équipement de haute qualité vient d'être réceptionné par la régie de voies maritimes RVM en sigle. Il s'agit des marégraphes digitales électroniques. Une bouée scientifique a été jetée dans l'océan entre la côte et la mer en vue d'avoir l'information en temps réel pour prévenir d'éventuelles catastrophes en mer. C'est ce qu'a annoncé Pierre Tichimbi, technicien informaticien, lors de la présentation de l'équipement de travail, notamment les serveurs aux journalistes en visite dans cette entreprise. Normalement, ne peut jamais se déplacer de son point d'ancrage parce que la bouée est reliée à une masse de béton. Ça tient la bouée dans cette position. Mais il peut arriver, la chaîne se casse et puis la bouée commence à dériver. Mais naturellement, ça ne peut pas se déplacer. Il convient de signaler que le PNIT a apporté un appui considérable dans le cadre du projet Panazone Côtière par la dotation d'un marégraphe digital électronique et d'une bouée scientifique de type alizé largué à environ 8 km de la côte au large des Bananas. Tous ces instruments connectés au serveur forment le système d'alerte précoce. Pour se faire une idée exacte, les journalistes ont exploré les mécanismes de fonctionnement du dit système. Et c'est la fin de ce journal réalisé.